Salomé, faut absolument que je te voie. Bonjour Mathieu, oui, je suis bien, merci de me demander, je suis dans ma famille, tout va bien, merci hein, d'avoir demandé. Ouais, désolé, mais vraiment, désolé, j'ai pas le temps, vite, viens à l'appart. Qu'est-ce que t'as encore fait, crapaud? Arrête de m'appeler crapaud, sérieux, tu sais que ça me gonfle, viens vite, juste dépêche-toi. Mais bien sûr, crapaud, bon, j'arrive. Merci, grouille, grouille. C'est la cata. Vanessa est enceinte. Non mais tu déconnes. Mon crapaud, il y a plus grave hein, dans la vie. T'es sérieuse? Tu comprends pas ce que je te dis en fait. Vanessa, elle est enceinte. J'ai 18 ans et j'ai pas forcément encore envie d'être père en fait. C'est elle qui décide, hein. Enfin, c'est son corps. Ok, elle peut disposer de son corps, mais à ce moment-là, moi j'ai le droit de disposer de mon sperme. Ah, je comprends. Mais au final, c'est elle qui décidera. Imagine la situation inverse. Elle l'aurait pas voulu, et moi si. Elle aurait quand même eu la décision finale. Je trouve que en fait les hommes on n'a aucun choix sur la procréation. Waouh, quel scoop! T'as enfin compris. Ouais, mais en tous les cas, c'est dégueulasse. Bon, les crapauds, moi j'y vais. Yes. Allez, à plus. Abattu quoi. Mais tu la connais toi cette Vanessa? T'en penses quoi toi? Je sais pas, tu veux dire quoi là par là? Tu vas voir deux, trois fois maximum. Mais en fait, pour moi, elle doit peut-être mentir pour le récupérer quoi. Parce que elle est peut-être encore amoureuse de lui et puis le fait de dire qu'elle est enceinte, elle se figure qu'il va peut-être revenir et retomber dans ses bras quoi. Non mais oublie, c'est elle qui l'a quitté, c'est elle qui a pris la décision de le quitter, et en plus il a morflé au début, Mathieu, donc non. Le pauvre, il a une nouvelle petite amie, en tout cas ça pourrait l'aider, t'en penses quoi? Non, je pense pas, c'est un romantique mon crapaud. Et tu comptes faire quoi? Ben je sais pas. En tout cas, tu peux compter sur moi, je serai toujours là, j'aime pas avoir du stress. Ben moi non plus Camille, moi non plus. Et voilà, bah tu sais tout. Puis bah moi j'ai rien vu venir. Santé. Hein. Mais sinon t'as jamais entendu parler des capotes? Parce que c'est bien bien utile pour ce genre de situation. Oui, c'est vrai que c'est pas fou, j'aurais peut-être pu penser. Au début on l'a fait, mais à la fin un peu moins quoi. Ah ok. Et donc du coup t'avais dit à tes petits soldats de s'arrêter et puis de pas aller féconder la dame. Très drôle. Non mais en fait je t'explique. Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule, et bah moi je l'ai cru, j'y ai fait confiance, et au final, bah voilà quoi. Le préservatif, il n'y a que ça de vrai. Parce qu'avec la pilule, ta copine, elle fait ce qu'elle veut. Peut même te voler un bébé. Mais bon, ça, je pense que t'es déjà au courant. Franchement, Lucas, on peut pas dire que tu m'aides d'une grande aide là, vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que je lui ai dit que je le voulais pas, mais j'ai l'impression qu'elle ne coupe pas. Mais tu sais, le pouvoir absolu des femmes sur les hommes, c'est elle décide, tu te tais, et un point c'est tout. Ça marche que comme ça. Et encore, des fois c'est toi qui veux être père, et c'est elle qui décide si tu le seras ou pas. C'est vrai, mais c'est dégueulasse. Je trouve pas ça normal. Bon, on s'en reprend une? Allez, on finit, et puis on fait péter la mousse.
c'est pas simple ce qui arrive à Crapaud. Il est complètement perdu, il est en train de se rendre compte du pouvoir des femmes sur la maternité et lui, il veut pas être père. Il n'y a rien de plus désagréable de pas pouvoir décider. Et si on parlait à cette Vanessa? Je suis vraiment pas sûre que Crapaud le prenne bien. Mais sinon, toi et moi, on est toujours amis? Tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça? T'es sérieux, là? Vu la tête que vous faites, je sais de quoi vous parlez. Perspicace, le crapaud. Arrête de m'appeler comme ça. En plus, j'ai même vu l'air ruiné. J'ai pas de taf. J'ai 18 ans et je vais avoir un gosse que je veux pas. Enfin, ta vie, elle est foutue. T'abuses un peu. Il y a pire quand même. Puis elle t'a rappelé du coup, là, Vanessa? Elle répond plus au téléphone. On va trouver une solution. Je vais aller la voir, moi, cette Vanessa. Mais là, Lucas, il a raison, en fait, crapaud. Hein. Mathieu, faut rebondir, là. Rebondir? Putain, mais je suis pas un ballon. Sérieux? Il est malheureux. J'aime pas le voir comme ça. Hein. Elle habite où cette Vanessa? Elle est en colocation avec sa meilleure amie à Besançon. T'es dispo demain? Bien sûr. Putain, mais Vanessa, tu m'avais dit avant aussi. Ouais, tout bien réfléchi. Je suis d'accord. Bon, ok. Bon, on se dit à mercredi alors. Allez, la bise. Salut. Crapaud, tout est arrangé, ne t'inquiète plus. On va tout expliquer. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Vanessa m'a appelé après votre départ. Et franchement, merci les amis. Tu es déjà au courant? Oui, Vanessa m'a pas raconté. Et Anaïs, sa future femme, elle est super, elle est drôle, elle est intelligente. Ouais, mais ça, faut pas pousser, elle m'a quand même utilisé. Mathieu, elles nous ont dit qu'il était hyper difficile, même aujourd'hui, d'avoir accès à la PMA, surtout quand t'es un couple de femmes. Elles ont beaucoup hésité, dis-toi qu'elles avaient plein de solutions et c'est toi qu'elles ont choisi. Oui, j'en ai parlé avec Vanessa, je lui ai dit que si elle m'avait demandé ma précieuse semence, je lui aurais donné. Tu as bien réfléchi, Matt? Ce qui me rendait fou au final, c'était de pas avoir le choix. Mais là, c'est bon, je sais, je suis heureux. C'est que mon crapaud deviendrait sage? Je vais tuer les amis. Je suis fier de toi, Matt. Moi aussi, je suis fier de toi, crapaud. Eh oui, moi aussi je suis fier de crapaud. Oh là là. Je répands le bonheur partout. Appelez-moi Saint-Mathieu. How can you see?